Quatrième édition de la Cannes, quatrième semaine de la Cannes, quatrième édition de RP Média en attaque et quatrième et dernière édition donc de cette de RP Média en attaque. Alors au sommaire de cette dernière émission, premièrement la violence et la passion pour le football. Nous avons vu des scènes qu'on ne veut plus voir sur en Guinée équatoriale. Ça sera le premier focus. Deuxième, les retombées économiques. Est-ce que le pays organisateur et le futur pays vainqueur rentabilise cette CAN? Et troisième et dernier sujet, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est arrivée en finale, le futur vainqueur. Pour m'accompagner, donc Gladiateur en constat, Moussa Mansa. Bonjour. Bonjour Moussa. Donc on va déjà commencer directement. Nous allons faire droit au but. Donc la violence, nous avons vu lors du match Guinée-Équatoriale-Ghana des choses qu'on ne veut plus voir dans les stades, où carrément les supporters ghanéens ont été obligés de sur le terrain. Et donc, pour pouvoir pour être en sécurité, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce qu'on doit être aussi clément avec la Guinée équatoriale? Je pense qu'on doit sanctionner, pas seulement la Guinée, mais tout pays où les supporters montrent un excès de violence dans les stades. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine du football, la violence, elle est présente parce que le football est un peu une sorte de fourre-tout, de catalyseur. Donc, on va dire en Afrique, il y a peu de choses dans lesquelles on est fier. Et les politiciens ou on va dire la société civile est fière de l'équipe nationale. Donc, en fonction du parcours de l'équipe nationale, des bons résultats, ça peut avoir un impact positif. Mais en fonction du mauvais parcours, ça peut avoir un impact négatif, voire faire ressortir des élans nationalistes. Il y a eu des incidents dans l'histoire. Il y avait une rencontre Gabon-Cameroun. Gabon avait perdu et on s'est attaqué aux ressortissants camerounais à Libreville. Au Mali, lorsque le Mali avait perdu contre le Togo, on s'est attaqué à des ressortissants togolais. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, en Tunisie, lorsqu'ils ont perdu, peut-être de manière injuste contre la Guinée équatoriale, il y a eu des attaques anti-noirs, en tout cas anti-africains subsahariens, même si je ne sais pas de quel autre continent sont les Tunisiens. Il y a plein d'autres exemples comme ça d'attaques ou de violences nationalistes et ça c'est aussi dû à la partie aux personnalités publiques. Elles sont responsables de ça parce qu'elles catalysent cette violence-là en jouant sur le nationalisme. Okay. Mais en voyant les Guinéens, équato-guinéens, eux ils ont bénéficié parce que pour juste remettre le contexte, ils se sont sentis floués par l'arbitrage à partir du moment où l'arbitre a accordé un pénalty aux Ghanéens. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas reconnaissants. Eux, ils ont bénéficié d'un pénalty encore plus douteux le tour suivant. Ils auraient dû applaudir. Ah, souvent, lorsque on va dire qu'on est supporter, on regarde les fautes que l'on subit, mais on ne regarde pas les fautes qui nous donnent l'avantage. Donc eux, ils n'ont peut-être pas forcément dû regarder le pénalty de la même manière que tout le reste. Et lorsque on subit une injustice, ou même lorsqu'on croit subir une injustice, alors on peut déborder. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement lors du match inégal. Il faudra effectivement qu'on dépassionne aussi le football à un certain niveau. Je voudrais revenir aussi. C'est vrai que là on a parlé de la Guinée, les incidents qu'il y avait en Guinée équatoriale. Mais le problème est aussi plus grave. Dans certains stades, pour des matchs de la CAF, il y a des débordements qui peuvent amener à des morts. On pense par exemple au joueur camerounais qui est mort en Algérie et aussi aux événements qui avaient eu lieu entre l'Algérie et l'Égypte, les débordements que ça a eu lieu, où certaines fois certaines équipes ont peur de jouer des matchs à l'extérieur, ne jouent plus de la même façon, parce qu'il y a une pression des supporters ou un environnement qui est malsain. Et je pense qu'on doit réfléchir pour trouver des solutions à ce niveau-là. On a été passionné effectivement les débats, le football. On a vu lors du match Congo-RDC et Congo-Brazzaville, juste avant le match, c'était passionné. Sur les réseaux sociaux, des insultes. Après la finale, après même le match, encore plus des insultes sur les réseaux sociaux. Et il y a eu même de la violence à Brazzaville. Tout ça pour le football. Effectivement, il faudrait que l'Afrique pense que c'est une communion, c'est une unité. On peut se taquiner, hein, comme j'ai dit, hein, souvent. Si le Mali arrivait en finale, là, ça aurait été
une injustice. Ça, c'est des taquineries. Hein. C'est pas je suis anti-malien ou pas. Mais après, ça peut être une évidence. Mais on peut rester sur dépassionner le débat. On peut continuer à se taquiner. Ouais, comme lorsqu'on dit que le Sénégal, si le Sénégal arrive au final, c'est qu'il y a eu maraboutage. Oui, non. À ce niveau-là, si nous avions eu des vrais bons marabouts, on aurait gagné la Coupe du Monde. Ou des vrais footballeurs aussi. Non, de bons footballeurs. On n'a pas de footballeurs. C'est ça le sujet. Donc, on va passer au deuxième sujet. La Guinée équatoriale, elle a organisé effectivement sa Coupe du Monde. Sa Coupe d'Afrique, lapsus. Quelles sont les retombées généralement économiques? Est-ce que ça vaut le coup pour un pays africain d'organiser la CAN? On va dire les retombées économiques permettent beaucoup d'investissements au niveau des infrastructures, donc routiers ou même au niveau des hôtels ou autres. Et comme on construit des choses, ça crée des emplois saisonniers dans le bâtiment. Mais après, en fonction des investissements ou des stades que l'on construit, le coût, ça va être difficile de rentabiliser. Donc si on fait des lourds investissements à plusieurs milliards de francs, ou de dollars, pour rentabiliser ça, il faudra soit augmenter le prix des billets pour chaque match, donc c'est ce qu'on a dû voir en Angola ou même en Afrique du Sud, ou soit trouver un autre moyen de rentabiliser ce système-là. Mais est-ce que ça vaut le coup finalement sur le coup, non, je dirais que non, puisque sur le long terme, ça crée des emplois saisonniers, mais pas définitifs. Ça crée des emplois saisonniers, mais ces emplois-là ne vont pas durer dans le temps. Parce qu'on ne va pas réutiliser ces infrastructures pour d'autres événements. Si on utilise, par exemple, un grand stade moderne, on va dire en Afrique, quel club pourra utiliser ce stade pour jouer à domicile ou jouer des matchs et des compétitions dans ce stade? Et donc à la fin, ce stade va ne servir à rien. On voit bien, même pas qu'en Afrique, mais aussi en France, avec le Stade de France par exemple. Le Stade de France ne sert quasiment à rien. Pas par rapport à ce qui était prévu. Et pour le cas du Mali, ça a été bénéfique. Je reviens sur le Mali parce que si vous constatez lors de nos dernières émissions, à chaque fois nos chroniqueurs, un petit salut à Chekne Camara qui est souffrant. Revenait tout le temps sur le Mali. Donc, est-ce que le Mali, je me souviens, c'est en 2002, ils avaient organisé la CAN. Est-ce que ça a été bénéfique? Moi, je dirais oui, j'ai vu des routes, ouais. Ce que je n'avais pas vu avant. Sans sable rouge, c'est autre chose. Mais est-ce que ça a été bénéfique? Pour la CAN 2002, ouais, je peux dire que ça a été bénéfique, puisqu'on a pu profiter de l'organisation de la CAN pour moderniser nos infrastructures au niveau de l'hôtellerie, dans certaines régions ou autres. Ou aussi au niveau des routes et des stades. Et puis ça a pu avoir une bonne cohésion sociale, parce que la CAN n'a pas qu'un impact économique, mais elle a aussi un impact social. Donc ça permet aussi de fédérer toute une nation, peu importe son ethnie ou sa religion. Et c'est aussi pour ça aussi qu'il y a des débordements, parce que lorsqu'on fédéralise à travers une nation, lorsque les résultats sont mauvais, on peut peut-être avoir un sentiment nationaliste anti, je sais pas, si on est malien, anti-sénégalais ou anti-ivoirien, ça peut dépendre. Ok, et autre chose, la CAN, on sait que c'est organisé tous les 2 ans. L'Euro, c'est tous les 4 ans, la Coupe du Monde, tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Généralement, ils utilisent comme un prétexte de le faire tous les 2 ans pour développer effectivement les pays. Moi, je dirais que c'est plutôt pour rentabiliser la CAN, où ils ont besoin des sous. Hein. Lors de notre dernière émission, on parlait de mafia. Est-ce que par rapport à ça, la CAN, faire tous les 2 ans, est bénéfique? Comme vous l'avez dit, là on peut le constater ces temps-ci que ce n'est pas si bénéfique que ça, parce qu'il y a de moins en moins de pays qui peuvent postuler, ou dans le cas du Maroc, qui se désiste subitement, il y a très peu de pays qui peuvent répondre. Peut-être qu'il faudrait organiser moins de CAN, mais mieux organiser, avec des meilleures infrastructures, plutôt que de vouloir organiser tous les 2 ans. Après, comme vous l'avez dit, il y a des enjeux économiques. Tu peux me tutoyer. Comme tu l'as dit, il y a des enjeux économiques. La CAF a remporté à peu près 1,8 milliard de francs CFA pour la retransmission des droits TV. Donc c'est de l'argent qui rentre dans leur compte. Les fédérations avec les équipementiers ont des contrats aussi au niveau de la CAN.
L'équipe du Cameroun a pu, par exemple, avoir 15 millions d'euros par rapport à l'équipementier Puma. Donc, c'est peut-être à cause de cet enjeu économique-là qu'on l'organise tous les 2 ans plutôt que pour développer les infrastructures des autres pays. Ok, on va passer au troisième sujet. On va essayer de voir le point positif. La Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés en finale. Futur vainqueur, probablement. Au début de la CAN, lorsque la Côte d'Ivoire perdait hein, lors du premier match, on sentait toujours, il y a toujours ce petit élan, ce petit. On sait que depuis une certaine décennie, la Côte d'Ivoire est plus ou moins divisée en deux. On sait, hein, on va pas citer les pros et les pros. Est-ce que une victoire de la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire, peut. On se rappelle de Didier Drogba et l'équipe des éléphants qui se sont agenouillés pour demander la paix en Côte d'Ivoire lors des événements tragiques. Est-ce que cette équipe peut pas complètement réconcilier tout le peuple, mais être un vecteur pour cette réconciliation? Ouais, je pense que en cas de victoire finale de la Côte d'Ivoire, il y aura un moment de communion nationale qui sera peut-être temporaire, mais il y aura une véritable unité, peu importe l'ethnie. On a déjà vu ça à travers d'autres pays, par exemple le Burkina qui a traversé une période de révolte. Lorsque les Burkinabés se sont qualifiés pour la CAN, tout le pays les a accueillis à l'aéroport. Dans le cadre du Mali, il y avait aussi une unité par rapport au conflit qui se passait au nord, même si c'est un cas qui est différent. Mais en général, il y a une communion nationale lorsque il y a un résultat politique. À vrai dire, on peut aussi dire que comparaison n'est pas raison. C'est vrai que là, pour les Ivoiriens, c'est encore plus profond que cela. Je ne vais pas parler de guerre ethnique ou de clan ethnique, mais nous savons que la division est vraiment très 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 profonde. C'est vrai, lorsque par exemple, il y a eu un mauvais résultat avec la Zambie, il y avait Alassane Ouattara qui avait assisté à la finale, à cette finale-là, et lorsque la Côte d'Ivoire a perdu, on a dit que Alassane Ouattara a porté la poisse à l'équipe. Donc il y a toujours cet élément politique qui est en vigueur, mais je suis persuadé que si la Côte d'Ivoire remporte cette CAN, il y aura une véritable unité. On se souvient que lors de la première émission, on disait que la préparation de la Côte d'Ivoire a coûté 3 milliards et 3 points de suspension. Est-ce que ça valait le coup finalement, 3 milliards de francs pour? Ça a peut-être valu effectivement le coup. Tout ce qu'on espère pour la Côte d'Ivoire, c'est que, football ou pas football, que la paix revienne. Nous sommes tous Bété, Djoula ou tout autre, mais que la paix soit là et que le football soit vraiment une communion. Et que, donc, on souhaite vraiment que la Côte d'Ivoire, victoire ou pas, que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire qu'elle était d'antan. Je voudrais revenir sur le dernier point, sur les 3 milliards que la Côte d'Ivoire a investi pour la préparation de cette CAN. Je pense que c'est toujours excessif, quel que soit le résultat de la CAN que la Côte d'Ivoire remporte ou pas. C'est beaucoup trop par rapport à ce qui aurait pu être construit ou investi. Je pense que pour le football, c'est beaucoup trop, 3 milliards de francs. Ok. Le marché informel, est-ce qu'ils ont des retombées économiques? Si la Côte d'Ivoire gagne, est-ce qu'il y a déjà au niveau économique? Quand je parle marché informel, on parle de ceux qui prennent des t-shirts orange et qui te mettent éléphant et qui le vendent rapidement. Bah, comme je le dis, enfin, les retombées économiques sont... Les retombées économiques seront sûrement temporaires, donc il y aura peut-être une hausse, mais je ne pense pas que ça va leur permettre de vivre sur une longue durée avec ça. D'accord. Cette émission est enregistrée en fait, donc au moment de la diffusion, on connaîtra déjà le résultat. Juste pour voir si Moussa est un bon pronostiqueur. Ah, je ne me suis pas trompé pour mes derniers pronostics, mais je pronostiquerai une victoire de la Côte d'Ivoire encore cette fois-ci. Face au Ghana? Face au Ghana. Ok, donc de toutes les façons, au moment où vous allez voir cette émission, vous aurez déjà le résultat, on verra si c'est un bon pronostiqueur. Là, c'était la dernière émission de RP Média en attaque. C'était spécialement conçu hein, pour la CAN 2015. Vous avez vu aussi que nos émissions, vous pouvez les voir sur RP Média TV, sur YouTube, sur RP Média également, sur le site internet. Vous pouvez nous suivre également @RP Media sur Twitter
Et donc, vous pouvez effectivement revoir les posts de nos dernières émissions, en sachant que tous les sujets que nous avons abordés sont des sujets que vous ne verrez pas dans les autres émissions qui sont plus au niveau technique, tactique. Donc, nous avons été ravis avec Mansa Moussa, Baba Dem ici, Chekne Kamara qui est souffrant encore une fois, de vous avoir détaillé cette CAN. Un dernier mot pour la fin. Pour la fin, ouais, j'ai été ravi d'avoir observé cette CAN et d'avoir pu analyser avec vous les autres aspects qu'il y a derrière cette CAN. Et j'espère et je souhaite bonne chance pour les. Et nous, ça sera pour une prochaine fois. Merci. C'est bon, c'est bon.